Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie comme toujours d'un retour d'utilisateur sur deux couteaux pratiquement identiques sous l'appellation MH100 de chez Decathlon. Donc ce sont des couteaux qui se destinent normalement à être emmenés en randonnée, en trekking. Donc tout de suite la revue, on est sur un couteau qui fermé est de 10,5 cm de long pour 2,1 cm d'épaisseur avec une lame de 1,6 mm d'épaisseur, pas plus. Les côtes sont de type synthétique, on y reviendra tout à l'heure, légèrement translucide comme on peut le voir au soleil. L'acier utilisé pour la lame est de type 5CR13, donc un acier chinois, et la carcasse du couteau lui-même est en acier 304. Voilà au niveau des caractéristiques. Ouvert, on est sur 18,2 cm de long. Voilà ce que ça représente au niveau du couteau. Donc c'est un couteau qui est prévu pour être emmené, comme je le disais, en randonnée. Donc construction assez solide de prime abord, avec un bouton qui permet donc le verrouillage et le déverrouillage de la lame, de type bouton lock. Donc il y a certains constructeurs qui proposent ça. Donc en fait il y a un système de cylindre qui va venir s'enclencher dans l'encoche du talon de la lame, assurant ainsi donc le verrouillage, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le deuxième, c'est quasiment la même chose, c'est l'appellation donc toujours MH100. La différence essentiellement c'est dans la taille, puisqu'en fait on est sur quelque chose de légèrement inférieur en taille. Celui-ci est prévu pour les adultes, celui-ci est prévu pour les enfants. Donc même système, la différence c'est la lame, puisqu'ici on est sur un bout légèrement arrondi, alors que là on est sur quelque chose de légèrement plus pointu. Voilà au niveau des dimensions, sinon c'est exactement les mêmes types d'acier, même construction, même acier pour la carcasse et également pour les côtes, et même système de boutons de verrouillage. Alors essentiellement ça diffère tout simplement parce qu'ici on ne peut pas, en tout état de cause, les enfants ne peuvent pas se blesser avec l'extrémité qui n'est pas pointue, alors qu'ici on est quand même sur quelque chose de pointu. Voilà au niveau des caractéristiques. Alors en sachant que le grand pèse 75 grammes et le plus petit pèse 66 grammes. Voilà pour la revue des deux couteaux. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, maintenant je vais plutôt revenir sur l'aspect utilisateur et donc le retex complet, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Alors on pourrait penser d'ailleurs que c'est identique, mais pas tout à fait. Alors les choses positives et les choses négatives. Alors les choses positives, c'est la construction, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Donc l'acier 304, c'est un acier qui est normalement utilisé pour les éléments qui doivent être mis en extérieur, donc accru au niveau de la résistance contre la corrosion. Mais comme vous allez pouvoir le constater, c'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a quand même pas mal de points de corrosion qui sont arrivés sur le couteau, malgré un entretien relativement soigné, enfin pas plus qu'un autre, mais tout de même quelque chose qui reste normalement assez soigné. Alors je ne l'ai pas maltraité, hein. Il n'a pas été rencontré l'eau de mer ou quoi que ce soit. Comme on peut le voir, ne serait-ce qu'à l'intérieur, c'est pas très probant au niveau de la rouille. Malgré le fait qu'on ait essayé de soigner le couteau, voilà, il est pas, il résiste pas vraiment à la corrosion comme on peut le constater. Y compris d'ailleurs sur le talon, alors qu'on est, comme je vous le disais, sur un acier 304 qui est censé résister aux intempéries. Alors, on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez solide. Alors, l'acier, comme on peut le voir, est relativement, il y a un compromis entre rigidité et relative souplesse. Au niveau de l'affûtage, bon, ça fûte très simplement, on va dire, avec des pierres céramiques, hein, des tiges céramiques, pardon. Donc, ça pose pas vraiment de problème. Mais comme on peut le voir au niveau du dessin de la lame, c'est un peu aléatoire quand même, hein. Je sais pas si c'est voulu là, cette forme là, mais franchement c'est pas des plus intéressants. Alors on pourrait penser à un type un peu chip-foot, hein, comme on, donc type pied de mouton avec le biseau vers le bas. Alors c'est prévu normalement pour être utilisé, comme je vous le disais, en randonnée pour le découpe de tout ce qui est alimentaire, même bien affûté,
faut un peu assister quand même sur la coupe, même sur des éléments qui sont relativement qui sont pas très durs, hein, comme une pomme ou un truc comme ça. Bon, ça a tendance à, c'est pas toujours facile. Alors comme on peut le voir, l'acier marque quand même pas mal, en plus de se piquer de rouille. Voilà. Et puis en plus, au niveau du système de verrouillage, on sent qu'il y a une résistance tout simplement parce que bah, ça a dû rouiller à l'intérieur. Donc même on pourrait mettre du W40 ou les choses comme ça, ceci étant, c'est pas très alimentaire, donc il faut quand même se méfier avec ce type d'huile. Donc j'ai essayé, on peut agir éventuellement sur la tête de pivot. En la desserrant, mais du coup si on le fait on se retrouve avec du jeu latéral. Alors il y a un petit peu de jeu vertical, mais c'est pas encore trop le plus gros souci. Le plus gros souci c'est quand même la rouille sur ce type de couteau. Par ailleurs on est quand même sur quelque chose de lourd à 75 grammes, c'est assez. Alors ça, on pourrait imaginer que c'est pas très lourd, mais malgré tout dans la poche bah, c'est un peu lourd quand même. D'autant qu'en plus, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de système de dragon, il n'y a pas de trou, il n'y a rien qui permet de pouvoir attacher l'extrémité du couteau de manière à pouvoir le suspendre ou faire quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas terrible, terrible. Alors, je vous remontre quand même à l'intérieur au niveau des platines, comment ça se passe. Voilà ce que ça représente. Alors, sur celui-ci, on voit bien la différence. Hein. Celui-là, il est resté dans un sac parce qu'il est destiné, j'avais acheté les deux. Donc le grand pour nous et puis le plus petit pour les enfants, pour qu'ils puissent s'initier à couper une pomme ou quelque chose comme ça. Donc celui-là, on voit bien, hein, la mécanique n'a pas bougé, on va dire. Alors il était moins utilisé, bien entendu, que celui-ci. Celui-là, on l'a utilisé à de nombreuses reprises en randonnée et pas forcément dans des milieux humides. Et pour autant, il s'est piqué. Donc ça, c'est vraiment le plus gros problème pour moi sur ce genre de couteau. Alors, par ailleurs, donc l'acier 5CR13, bah, c'est un acier chinois bas de gamme. Donc il n'y a rien vraiment à en dire. C'est pas non plus très transcendant, hein, comme acier. Alors, les cotes sont en polycarbonate, entendez par là, ce qu'on appelle en ABS. Alors l'ABS, c'est un mélange d'acrylonitrile, de butadienne et puis de styrène. Alors ça dit pas grand chose comme ça aux profanes, mais bon voilà, c'est ce qu'on appelle de l'ABS. Donc c'est censé résister au choc, c'est relativement rigide, assez léger et ça permet surtout d'être moulé et de pouvoir permettre d'avoir éventuellement du polycarbonate transparent, ce qui est le cas ici. Alors comme ça au premier abord, oui, ça tient. C'est quand même assez solide, il est tombé à quelques reprises, bon bah il n'y a pas de choc particulier. Mais sincèrement, voilà quoi. C'est vraiment cette problématique de rouille. Hein. Et Dieu sait que. Alors à la fois sur les platines, hein, c'est censé résister, comme je le disais, à la corrosion. Donc bon, voilà quoi. Et puis alors c'est pour le prix. On est sur 10 euros. Alors, il existe une version aujourd'hui. Qui est muni de plaquettes en bois, donc je ne connais pas exactement ce qu'il en retourne par rapport à ça, mais si on garde les mêmes caractéristiques d'acier et de choses comme ça, bon voilà. Alors pour 10 euros, je trouve que c'est assez excessif, d'autant que ce soit l'un ou l'autre, hein, y en a un qui est plus petit que l'autre, et ben c'est au même prix. Voilà, il n'y a pas de différence, on aurait pu penser que celui-ci. À 10 euros, l'autre, on aurait pu le toucher à 8. Non, pas du tout. C'est exactement le même prix. Par ailleurs, ils ne se sont pas trop foulés. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le cahier des charges hein, chez Decathlon. Mais comme on peut le voir au niveau de la lame, en fait, c'est exactement la même lame. Hein, même largeur, même épaisseur. La longueur qui diffère, en fait, bah, c'est simplement qu'ils se sont contentés de raboter l'extrémité et puis de le faire arrondi. Donc, il n'y a pas vraiment de recherche alors stylistique. Certainement pas. Mais d'utilisateur encore moins, donc voilà quoi, c'est pas franchement c'est pas transcendant. Alors comme premier couteau pour les enfants, comme c'est arrondi, pourquoi pas. Ceci étant, en effet de comparaison, pour 2 euros de moins, on va avoir quelque chose de plus qui tient plus, à mon sens, plus la route. Hein. Il suffit d'aller sur le Pinel numéro 8. Donc ça vaut bah, 8 euros, grand maximum. Le manche est en hêtre, bien entendu. La lame est en inox. La polyvalence de la lame n'est plus à faire concernant un Opinel, hein, un système de verrouillage bien sûr par la virole qui permet de verrouiller la lame de manière complètement sécurisée.
Et puis c'est surtout qu'on peut faire un petit trou dans le bois pour pouvoir y mettre une dragonne et le suspendre. Et par ailleurs, un opinel, ça pèse 48 grammes. Donc voilà, et je pense qu'à mon sens, il n'y a pas photo, quoi. Faut pas penser à ce genre de choses. Alors d'autant qu'en plus un opinel, hein, on en trouve maintenant qui sont avec le bout arrondi et qui permettent justement de laisser ça entre les mains des enfants éventuellement, de manière à pouvoir les utiliser de manière sécurisée, en tout cas pour l'extrémité, parce qu'un couteau, bah, ça coupe, hein, donc forcément il faudra y faire attention. Et puis par ailleurs, au niveau, comme je le disais, de l'affûtage, bon, c'est pas, voilà quoi, c'est pas, franchement, on va pas mourir avec ça, hein, on peut mettre les doigts dessus, voilà. Alors que l'opinel, sortie de boîte, faut pas trop y aller quand même, hein, faut pas trop mettre les doigts, hein, parce qu'on sent que ça mord très fort. Hein. Donc les moutures n'est pas la même, hein, bien sûr, mais voilà, c'était juste pour vous présenter ça. On voit bien, de toute façon, au niveau du tranchant, ce que ça représente, hein, c'est... Voilà, le système du tranchant est vraiment sur le premier millimètre, alors que là on est sur le tranchant va en fuyant, donc on est sur quelque chose de plus fin, et ça permet donc d'être beaucoup plus polyvalent, surtout avec l'extrémité, parce que pourquoi pas piquer quelque chose, hein, ou quand on veut découper de manière plus fine, ce qui pourra pas être le cas avec ce genre d'outil. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus, parce que j'en avais parlé sur Instagram, donc je vous laisserai le lien, hein, sur Instagram si vous voulez me suivre là-bas, et puis suivre d'autres personnes également. Et comme j'en avais parlé, que j'avais dit que je ferais un retexte complet là-dessus, bon, voilà, je vous le fais. Donc, faut pas, à mon sens, faut laisser tomber, quoi. Voilà, faut s'orienter sur autre chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et peut-être orienté vos choix quant à l'achat d'un tel outil. Donc je vous conseillerais plutôt de vous orienter sur de la valeur sûre, à savoir un opinel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem.